n'est pas capable d'exiger le même degré de sécurité financière qu'on exige de sécurité nucléaire. Alors que les risques sont quand même du même ordre de grandeur. Bonjour messieurs, nous avons décidé de vous convier à cette réunion pour parler des États-Unis et plus particulièrement de l'économie américaine. Nous avons à notre table Hervé de Carnoy qui va prendre la parole. Hervé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les principaux indicateurs économiques américains, leur véracité, leur ténacité? Est-ce qu'ils font réellement passer une information correcte, pas correcte? Qu'est-ce que vous en pensez? L'économie américaine est en croissance légère, renouvelle en partie sa puissance intérieure à travers un niveau d'inventivité tout à fait important. Et c'est un marché de 310 millions de personnes avec trois pôles de puissance. Premier pôle de puissance, c'est l'armée. Le deuxième pôle de puissance, c'est la finance. Le troisième pôle de puissance, c'est la technologie. Et ils sont intimement liés. Donc, est-ce que l'économie américaine va continuer à une faible croissance? Je dirais que c'est probable et que leur principal handicap est la finance. Philippe Béchade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette croissance américaine? Est-elle saine? Sur quelle base cette croissance se fonde? Depuis 2009, il est clair que les injections massives et successives de la Fed ont certainement contribué à une forme de relance, mais un petit peu indirecte, puisque c'est au travers en fait des dépenses de l'État que l'impression monétaire a rendu possible. Donc on va dire que c'est pas une croissance autonome. Depuis 2010, il y a une très nette montée en puissance de la production d'énergie non conventionnelle, ce qu'on appelle les fameux gaz de schiste, qui assure une relative indépendance, ou en tout cas permettent aux États-Unis de faire quand même de grosses économies en termes d'échanges extérieurs, donc pas de gaspillage de ressources. Donc on va dire que là, c'est de la croissance par économie induite. Pour le reste, eh bien, effectivement, entre finance, lobby de l'armement, puis j'ajouterais quand même la puissante machine hollywoodienne, puisque les droits audio, ça représente quand même quelque chose de non négligeable aux États-Unis. Donc on a effectivement, on va dire, trois piliers et demi pour soutenir une croissance, je vais le préciser, je pense qu'Olivier en dira certainement un mot, une croissance qui n'est pas du tout créatrice d'emplois. Olivier, de la marche. Aujourd'hui, on est dans un système où il faut à peu près 6 dollars de dette pour faire 1 dollar de PIB, hein, en gros. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un système qui soit soutenable à moyen terme et à long terme. Vous êtes sur quelque chose qui est uniquement, je dirais, étatique, c'est-à-dire que on a eu entre 98 et 2008, hein, on a eu les ménages américains qui se sont endettés de 1000 milliards de dollars par an. Bon, 2008, fin du jeu, ils arrêtent parce qu'ils sont surendettés et qu'on commence à les virer de leur maison, de leur voiture et compagnie. Donc fin du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'État qui a pris le relais de ça et qui s'est copieusement endetté en l'espace de 4 ans, 5 ans. Donc, à raison à peu près d'ailleurs de 1000 milliards de dollars par an. Donc, vous êtes sur quelque chose qui, chaque dollar de PIB est fait par de la dette d'État. Donc, je pense que ça n'ira pas très très loin comme ça. Olivier Berruyer, je voudrais votre position sur la nouvelle position de Janet Yellen sur le quantitative easing. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? On a bien compris qu'évidemment, le quantitative easing va se poursuivre. Les États-Unis sont, de toute façon, via la Fed, dans
quasi impossibilité d'arrêter le quantitative easing. On sait bien que dès qu'ils vont débrancher, vous allez avoir des soubresauts énormes au niveau de la bourse et des conséquences majeures sur les entreprises financières. Pour en revenir sur la partie PIB, bon, comme l'a dit Olivier, ces trois dernières années, c'est 500 milliards de croissance, c'est 3000 milliards de dettes, donc un rendement pour le moins pas très intéressant. Deuxième axe, ça s'est peu souligné, issu des travaux d'Emmanuel Saez, qui regarde d'assez près ce qui se passe sur les inégalités aux États-Unis, qui dit croissance supplémentaire ces dernières années, dit en contrepartie augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des salaires, c'est la contrepartie de cette croissance. Il a regardé quelle était la fraction de l'augmentation depuis 3 ans, hein, de tout ce qui a été créé de nouveau, qui a été captée par le 1% le plus riche aux États-Unis. Et il est arrivé à ce chiffre assez amusant de 120%. Autrement dit, le 1% le plus riche a capté toute la richesse qui a été créée et en plus a continué à piquer sur la richesse et les revenus, la part de revenus des 99% les plus pauvres. Ce qui veut simplement dire que les États-Unis, c'est 99% de la population qui est toujours en récession depuis 2009, et 1%, où ça va beaucoup mieux. Effectivement, quand on fait la moyenne de tout ça, vu de loin, on se dit, bah oui, ça croît un petit peu. Mais c'est comme si, en termes d'image, on disait qu'il y a une croissance fabuleuse à Washington et que le reste du pays est en récession. Et en moyenne, oui, bah, en moyenne, c'est quand même positif, parce que le poids capté par le 1% est phénoménal aux États-Unis. Hervé, c'est indiscutable. Comment les Américains ont la capacité de voir les écarts de fortune se multiplier par des multiples considérables, ils l'acceptent. Hein, ils l'acceptent. Et que font ces Américains? Est-ce qu'ils investissent à l'étranger? Non, très peu. Hein. Est-ce qu'ils font des dons? Beaucoup. Ils se sont multipliés par 6 depuis 10 ans. Est-ce qu'ils investissent dans leur propre pays avec précaution. Hein, ils font des investissements. Est-ce qu'ils sont concernés par la création d'emplois? Très peu. Est-ce qu'ils veulent aller vers les brevets nouveaux et les inventions nouvelles? Généralement. Donc, et enfin, si vous voulez bien investir, il faut un investisseur et il faut une banque. Hein, il faut autre chose, bien sûr. Or, le système bancaire reste fragile, peu entrepreneurial, et donc l'image qui ressort de tout ça est une image mitigée. Hervé, je rebondis encore. Est-ce que vous pouvez nous parler des chiffres du chômage américain? Comment sont-ils calculés? Quelle est la véracité de ces chiffres quand on regarde le bureau of Labor sur la méthode faite, on se rend compte qu'il y a pratiquement 1 million de chômeurs qui sont sortis des listes. Ça n'influence sur le dernier trimestre. Sur le dernier trimestre, merci. Hervé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Que les Américains, comme toujours, gèrent l'image avant le contenu, dans tous les domaines. Hein, je veux dire, c'est une tendance des 50 dernières années. Bon, donc, il présente une image aussi positive que possible de leur chômage, qui est autour de 7,6%, hein, qui était il y a 10 ans autour de 4,5-5%, donc qui s'est détérioré. Les Américains se trouvent devant un dilemme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et ce dilemme est comment augmentons-nous la richesse qui se crée et l'emploi? Or, à l'heure actuelle, dans l'industrie et dans les services, de la richesse se crée, elle n'est pas génératrice d'emploi. Monsieur Delamarche, est-ce que vous pouvez nous délayer un petit peu plus les chiffres du chômage? Et ensuite, monsieur Béchade, est-ce que vous pouvez nous parler des municipal bonds et de la dette étudiante? Olivier. J'ai une mauvaise nouvelle pour monsieur Bernanke, c'est pas en rachetant des obligations que vous faites baisser le chômage. Alors, il l'a cru pendant un moment, ou il a fait semblant d'y croire, plutôt. Mais à part le trader que vous allez engager pour appuyer sur le bouton, je vois pas qui peut être engagé de plus pour faire baisser le chômage. On a des chiffres du chômage américain, on a toutes les statistiques, c'est l'avantage des États-Unis, vous ne les avez pas en Europe,
par exemple, où on vous donne aussi un chiffre qui est loin de la réalité, sauf que vous n'avez pas les moyens de le vérifier. Aux États-Unis, vous avez les moyens de le vérifier. Et c'est assez assez facile, les statistiques sont assez bien faites. Donc aujourd'hui, si on recalcule les choses avec le taux moyen du taux de participation à la population active de aux États-Unis, vous retombez sur des chiffres qui sont au sens large, hein, donc la composante qu'ils appellent U6, au sens large, c'est-à-dire les gens qui sont complètement sortis, les gens qui sont indemnisés, plus, etc. Vous êtes autour de entre 18 et 19% de chômage aux États-Unis. Ça fait un Américain sur 5. Alors évidemment, ça, d'ailleurs, vous pouvez corroborer ce chiffre par le nombre d'Américains qui sont au food stamp. Hein, vous en avez à peu près un petit peu moins de 50 millions. Donc, c'est-à-dire un petit peu moins de 15% autour de 15% de la population. Donc, vous êtes sur un pays qui, par définition, ne peut pas créer de la valeur, créer du PIB autrement que par la dette et autrement que par la dette d'État. Donc, je dirais maintenant, il y a vraiment plus de questions à se poser. Vous avez des entreprises qui continuent à virer du monde. Il y a des annonces à peu près tous les jours. Pourquoi ? Bah parce que elles essaient de conserver des marges alors qu'elles ont des chiffres d'affaires qui baissent. Donc ça s'arrêtera à un moment. Ça, on le sait, hein, puisque une fois qu'il reste dans l'entreprise, le président et l'hôtesse d'accueil, ça fait un peu court. Donc ça s'arrêtera à un moment, mais ça s'arrêtera avec un taux élevé et qui ne baissera pas. En tout cas, on ne retrouvera jamais les taux d'avant, c'est-à-dire le taux de plein emploi qui était autour de 4% aux États-Unis, vous ne le retrouverez pas. Philippe, les municipal bonds, la dette étudiante. Alors, je vais commencer effectivement peut-être par la dette étudiante, ce qui me permet de rebondir sur ce que Olivier vient de dire. Donc, on a un marché du travail qui ne se fluidifie pas aux États-Unis, naturellement, puisque les entreprises sont réticentes à embaucher, dans la mesure où elles savent bien que les débouchés naturels, en tout cas, le consommateur aux États-Unis, il est, pour l'instant, presque verrouillé. Séquestré. Donc, un marché de l'emploi qui ne s'ouvre pas aux jeunes, évidemment, ça rend les choses compliquées. Alors, qu'est-ce que font les jeunes aujourd'hui ? Ils allongent la durée des études. Maintenant, on va dire que la norme, c'est devenu le master, alors que quand on était au niveau licence ou maîtrise, on trouvait facilement de l'emploi. On pouvait encore approfondir, mais il fallait avoir les moyens. Est-ce que ça représente un risque pour les banques que ce marché des futurs étudiants ne trouve pas de travail et ne puisse pas rembourser ? Ça représente à peu près quel volume de dette, la dette étudiante ? C'est 1300 milliards à ma connaissance, mais alors d'un trio. Voilà, les banques ne risquent là strictement rien, puisque la particularité des prêts étudiants, c'est qu'ils sont en fait garantis par l'État. Mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, quelqu'un paye l'ardoise. Or, ce qu'on appelle le taux de délinquance ou de défaut potentiel sur les prêts étudiants, aujourd'hui, est officiellement de 12,5, qui est en réalité de 20%, oui, 20 ou 25. Donc 25% de 1300 milliards, bon, on va calculer grosso modo que ça fera de 250 milliards à la charge de l'État. Il faudra trouver ces 250 milliards, ils n'existent pas. Donc planche à billets, naturellement. En ce qui concerne les muni-bonds, alors là on a assisté tout récemment, c'était mi-novembre, à une ou deux journées un petit peu particulières pendant que Madame Yellen passait son audition devant le Sénat américain. Eh bien pendant ce temps-là, les banques, j'imagine les grands investisseurs, les family office, liquidaient massivement les obligations municipales. Si massivement que c'était presque historique, on n'avait pas vu de telles vagues de liquidation depuis l'automne 2008. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que après Detroit, Cleveland, Akron et tant d'autres municipalités et comtés du nord-est industriel des États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a aussi plein de municipalités en faillite également en Californie, qu'il y en a aussi en Caroline du Sud, qu'il y en a à peu près partout, et que là aussi on voit que la situation ne s'améliore pas.
et pour des raisons qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire que comme on a 18 à 19% d'Américains sans emploi, les municipalités font quand même leur possible, évidemment, pour apporter un certain soutien. Donc ça, ça coûte. Et la deuxième chose, c'est que les taxes ne rentrent pas, puisque des gens qui ont été virés de leur maison ou de leur voiture, comme cela a été dit, ces gens-là sont pas non plus en moyen de payer ni les taxes locales ni les impôts locaux. La base taxable, la base des gens taxables se réduisant, ceux qui restent sont pressurés de façon beaucoup plus importante, voire insupportable. Donc ceux-là finissent par quitter la ville et aller ailleurs. Donc on a là une espèce de spirale dont je ne vois vraiment pas comment on peut sortir. En revanche, si les municipalités font faillite, évidemment, l'État renflouera avec quoi ? Avec de l'argent fraîchement imprimé. Olivier ? Oui, moi j'aimerais réagir sur la partie emploi. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Quand on regarde de façon indubitable, le nombre de chômeurs a baissé. Il y a moins de chômeurs aux États-Unis. Après, c'est quoi un chômeur ? Un chômeur, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne travaille pas et déclare vouloir travailler. Et ça, cette population-là a baissé. Par contre, ce qui a explosé, c'est le nombre de personnes qui sont sorties de la population active. Donc, la population active, c'est les gens qui disent, moi, bah, ou je travaille, ou j'aimerais travailler. Et c'est le chiffre que vous citiez tout à l'heure, où on s'est aperçu que le mois dernier, 1 million de personnes sont sorties de la population active. Et quand on regarde, c'est des gens qui disent, moi, je laisse tomber, quoi. Je ne trouverai pas de travail parce que je suis inemployable, parce que il y a rien à proximité, parce que ça fait 2 ans que je cherche. Donc, voilà, je laisse tomber. Et quand on regarde sur ce million-là, les statistiques sont vraiment très bien faites aux États-Unis. C'est vrai, on a vraiment pas ça en France. Bon, c'est un peu laborieux, mais quand on regarde, on s'aperçoit que c'est à peu près pour moitié des gens qui avaient plus de 65 ans. C'est une particularité aux États-Unis, c'est que si beaucoup de gens âgés travaillent, il y avait 10-15% des plus de 70 ans qui travaillent. Moitié des vieux, mais moitié aussi des gens qui sont en âge 30-55 ans. Et à l'intérieur, autant d'hommes que de femmes. On aurait pu penser que c'est peut-être des femmes qui ont été bossées. Il y a quand même beaucoup aussi, près de 300 000 Américains hommes en âge vraiment médian ont quitté la population active. Donc évidemment, cela fausse complètement la notion de taux de chômage, puisque là aussi, il faut savoir que le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs rapporté à la population active et non pas la population totale. Je vais poser une question un peu subversive. Cette lecture est faussée. Est-ce que vous pensez que c'est une intoxication pour maintenir un vernis pour les investisseurs ou pour maintenir un vernis peut-être un peu, mais tout simplement, c'est aussi la réalité. Les gens laissent tomber et votre indicateur que vous regardez, le chômage, n'est pas impacté par le fait que les gens quittent la population active. Le bon indicateur pour voir ce qui se passe sur l'emploi aux États-Unis est donné de la même façon par le Bureau des statistiques américaines. Vous regardez le ratio soit de population en emploi sur la population totale. Et là, vous avez une chute dramatique et constante depuis 2009, sans la moindre reprise, où vous regardez le taux de participation, donc autrement dit, quel est le pourcentage d'Américains qui veulent rentrer dans la population active. Et là aussi, il y a une chute très importante qui n'est absolument pas liée à des problématiques démographiques, comme ça vieillit. Pas du tout. Vous avez ça sur chaque tranche d'âge. Donc c'est vraiment la capacité de créer des emplois aux États-Unis qui s'affaiblit terriblement. Hervé ? Oui. Tout ce que vous dites est exact, et puis il y a le renouveau intérieur des États-Unis. Le renouveau intérieur des États-Unis, c'est BAL, B-A-2-L, c'est-à-dire une série de milliers d'initiatives pour redévelopper les activités localement. Il y avait 8 000 marchés fermiers aujourd'hui, il y en avait 4 000 il y a 10 ans. En d'autres termes, les Américains se remettent à faire de l'alimentation, des services, de l'éducation localement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu de nombreuses études qui ont été publiées qui disent que quand Starnut vient, par exemple, ouvrir un magasin de grande distribution dans une localité, 13% des dépenses restent locales, tandis que quand des locaux décident de créer quelque chose, 52% de l'argent reste localement. Donc ce mouvement est en train de se développer massivement et il n'est pas visible dans les grands journaux et ailleurs. Mais il y a aussi, sur ce mouvement, BAL, B-A-2-L,
des indications intéressantes. Et comme on voit, les États-Unis, c'est une chose et son contraire. Ils déclinent dans certains domaines, ils se ressaisissent dans d'autres. Il y a un truc intéressant aussi, c'est de, toujours dans le même, même source, hein, les statistiques du travail américain, vous regardez le côté création d'emplois. Et là aussi, il y a un petit hic. C'est-à-dire qu'on vous annonce à grand renfort de publicité qu'il y a eu 200 000 créations d'emplois la dernière fois, et que c'est fabuleux. Ça prouve que l'emploi redémarre. Alors, première chose, il n'y a pas de création d'emplois, ou très peu, dans ce qu'on appelle tous la réindustrialisation de l'Amérique. Il n'y a pas un emploi manufacturier qui a été créé, et que vous regardez que la majorité sur ces 200 000 emplois soi-disant créés, vous avez une grande partie, c'est dans le loisir. C'est moi ce que j'ai appelé un jour sur BFM les barman et les serveurs, c'est-à-dire que vous avez une grande majorité qui sont et très peu rémunérés, c'est-à-dire c'est en général des gens qui touchent moins de 20 000 dollars par an. Donc avec moins de 20 000 dollars par an, vous faites pas grand-chose, hein. Donc vous êtes presque chômeur, on va dire. Hein. Et vous regardez après par tranche d'âge depuis 2008, ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas du tout la tranche d'âge 20-55 dans lequel vous avez eu la reprise du travail, mais c'est des gens qui sont au-dessus de 55 ans qui ont été engagés. Donc au-dessus de 55 ans avec un boulot de serveur, vous allez quand même pas très loin. Il faut pas compter là-dessus pour que y ait une réelle reprise du PIB américain. Donc je veux bien qu'il y ait des initiatives à droite et à gauche pour faire des marchés locaux, etc. Mais résister à la crise. Pour l'instant, c'est on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. Hein, Philippe, j'aurais une question sur la dette américaine. Qui l'achète? Qui la détient? Quelle proportion? Selon les pays. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? J'ai pas de fiche avec les chiffres précis, mais enfin, de mémoire, on va dire que le premier créancier des États-Unis. Ah bah ça reste les États-Unis, tiens. Alors le deuxième, bien sûr, c'est la Chine, avec 2200 ou 2300 milliards. Le Japon, avec 2000 milliards, grosso modo. Ensuite, on trouve les monarchies pétrolières. Donc là, on doit être autour de... Est-ce qu'elles achètent toujours, les monarchies pétrolières? Oui, par à la force des choses, puisqu'elles continuent d'engranger du pétrodollar malgré tout. Même si les États-Unis commencent à liquéfier le gaz massivement, ils en importent encore. On a le Royaume-Uni, qui je pense doit détenir quelque chose comme 150 milliards. Et puis après ça, on a un grand pays européen qui est aussi farci de T-bonds, c'est le Luxembourg. Voilà. Donc, mais ça s'explique parce que le Luxembourg a quand même une vocation de gérant de fortune. Donc beaucoup de family office, outre leur présence à Singapour, à la City, dans les Bermudes, à Dubaï, ont souvent aussi un petit quelque chose en Europe pour être dans la zone euro. Et donc le Luxembourg se retrouve un gros détenteur. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est la dynamique de la détention. Or, il y a pour l'instant un détenteur qui progresse à une vitesse vertigineuse, c'est naturellement donc les États-Unis eux-mêmes, avec une Fed qui rachète 77% des emprunts de maturité 10, et je pense que c'est 100% pour les maturités 30. Voilà. Donc, Hervé, Olivier, je voudrais avoir votre point de vue sur Obamacare et sur Keystone. Hervé. Obamacare illustre que les États-Unis ont un président peu enclin à aller dans le plus fin détail de la mise en œuvre. Il a une stratégie, et Napoléon disait que la stratégie est tout un art de mise en œuvre, donc on va dire que le président n'est peut-être pas le plus grand stratège, parce qu'il a pas choisi les hommes ou les femmes, et dans le cas de Obamacare, c'est une femme,
qui est capable, dans le plus fin détail, juridique, fiscal, organisation, communication, de mettre en œuvre un programme extrêmement ambitieux. Donc l'écart entre le montant des dépenses qu'il voulait faire encourir et la réalisation est sans précédent aux États-Unis, à ma connaissance. Et l'échec informatique de la mise en place est quand même assez lamentable au pays de Google et Microsoft. Voilà, bien sûr. Keystone. Comment ? Keystone, le pipeline pour faire descendre des hydrocarbures. C'est bien sûr que les États-Unis font ça. La réalité, c'est que les États-Unis, ayant maintenant en gros couvert leurs besoins pétroliers, se mettent pour... Quelle est la stratégie des États-Unis ? Ça reste une stratégie de pouvoir mondial. On peut dire qu'ils l'ont moins, ils l'ont plus, mais la réalité est là. Et donc, ils font ce qu'ont fait les Anglais à la fin du 19e et au début du 20e, c'est que comme ils n'ont plus la puissance industrielle qu'ils ont eue, qu'ils ont encore les matières premières, agricoles, ils se placent dans, pour rester au centre de la mondialité, ils se placent très bien dans tout ce qui est distribution et collecte. Voilà. Oui, on peut parler en effet de ce feu de paille au niveau de l'énergie aux États-Unis ou actuellement. Et puis, est-ce que vous faites référence au document du New York Times, ces 400 pages de mails exfiltrés par le New York Times où les propres industriels font remonter des alertes en disant « Méfiez-vous, le gaz de schiste peut être une bulle, le gaz de schiste a un fort taux de décroissance au bout de la troisième et quatrième année. » Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut percer à des nouveaux puits tous les 2-3 ans. Donc déjà, le stock total... il est loin d'être négligeable. On voit que ça fait repartir un peu la production aux États-Unis. Mais enfin, voilà, vous êtes sur quelque chose qui a un horizon de 4, 5, 6 ans en termes de réserve. Et ce dont on parle peu, c'est que ce boom a une conséquence, c'est que ça a fait chuter le prix du gaz. Alors, on dit c'est génial, les États-Unis, ils ont le gaz pas cher. Juste un petit problème, c'est que maintenant, les pétroliers vendent à perte et en énorme perte. Donc autrement dit, ils ne forcent plus de puits pour faire remonter les cours. Donc d'ici, normalement fin 2013, début 2014, vous allez avoir un effondrement de la production qui va faire remonter fortement le prix à des niveaux de rentabilité. Donc il va y avoir des stop and go qui vont durer sur toute la période, vu la particularité du gaz de schiste. Le dernier point, c'est qu'ils ont évidemment commencé à percer là où c'est plus facile. Donc plus le temps passe, donc 2015, 2016, 2017, il va falloir aller chercher les zones qui sont beaucoup moins rentables, beaucoup plus chères à produire. Voilà, donc c'est intéressant. Enfin, il y a une espèce de petit nuage de fumée sur, vous savez, presque bientôt, c'est l'Arabie Saoudite, et puis en 2030, ils vont fournir la planète entière, ce qui est tout à fait faux, vu les simples capacités géologiques des États-Unis. Monsieur Delamarche, vous voulez rebondir dessus? Bulle, comme d'habitude, avec, comme le disait Olivier, un prix qui était en 2008 de 12 $. On sait que ils ont 8 $ de coût d'extraction. Aujourd'hui, ça vaut 3,60. Donc c'est tout simple, hein, ils perdent 4,40 par unité. Donc voilà, à ce rythme-là, d'abord vous avez eu les majors américaines qui sont allées sur ce business et qui pouvait compenser par les choses plus classiques, Hervé, les pertes que vous aviez. Je suis d'accord. Les Américains ont exploité un filon et, comme toujours, ils l'ont magnifié parce que c'est leur style. Mais dans 10 ans, moi je ne vois pas ce qui va se passer dans 3-4 ans, mais dans 10 ans. C'est un filon qui va être très largement... Si ça tient même 10 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est à la deuxième phase, c'est-à-dire que vous avez des majors qui ont payé des prix pas possibles pour obtenir des terrains, etc., comptant gagner de l'argent avec ça, qui se sont aperçus qu'ils en perdaient autant qu'ils voulaient, et maintenant qui essaient d'entretenir le mythe pour essayer de refiler ça à des aux suiveurs, à de plus petites entreprises, à des prix...
pas trop vilain pour s'en sortir à peu près les mains propres. Bon, bah c'est le coup classique. Je veux dire, une fois que vous avez fait un mauvais investissement, vous essayez de le refiler, et donc ne pas trop dire que c'est mauvais. Pour, la petite particularité qu'il y a eu là-dessus, c'est pas que du style. Hein, c'est pas les majors qui sont allés chercher. C'est d'abord des compagnies qui se sont créées pour faire ça, qui ont pris les droits. Ces compagnies se sont introduites en bourse en disant « Regardez, ça va être fantastique ». Elles ont été rachetées à ce moment-là par les majors il y a 3-4 ans. Majors qui sont en train de passer des dizaines de milliards de moins-value sur les achats qu'ils ont faits. Mais ça a servi à enrichir ceux qui ont vendu la boîte en premier. Dans un jeu de bonneteau, en effet, vous avez maintenant des droits qui, en plus, qui s'épuisent, hein, parce que quand ils n'exploitent pas, s'ils ne forent pas les puits, ils perdent les droits. Donc c'est très compliqué. Philippe, j'aimerais que vous nous parliez des produits dérivés sur ce marché financier extraordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les produits dérivés? D'une, le volume. Deux, peut-être les possibles menaces que ça représente sur notre économie, surtout sur l'économie américaine. Écoutez, je vais partir des dérivés de matières premières, puisqu'on évoquait le sujet. Alors, tout le monde a encore en tête de grandes bulles spéculatives, notamment celle de 2008 sur le pétrole, notamment. On imagine également que les dérivés de l'or, ça représente un marché énorme, ou l'argent, etc. Des marchés dérivés sur l'or et l'argent, vous pouvez préciser? Oui, ce sont des futurs, des options, des certificats qui sont éventuellement convertibles en métal physique. Il faut pas se faire d'illusions, parce que le plus souvent, ceux qui vous disent que c'est convertible, ils n'ont pas les stocks. On l'a vu d'ailleurs récemment à Hong Kong au début de l'été. Un intermédiaire proposait effectivement la possibilité de convertir, et le jour où les gens sont venus effectivement parce qu'ils voulaient du physique. Pour les MF Global. Voilà. Non, c'est à Hong Kong. Oui. MF Global, c'est une faillite là parce que ils ont spéculé de façon totalement déraisonnable et disproportionnée. Donc la société de Hong Kong, dont le nom m'échappe, elle a carrément tout arrêté, a décidé de stopper ses activités, ne pouvant pas livrer le physique. Et on était là, je vous dis, sur des encours de dérivés qui sont tout à fait marginaux en regard des dérivés, un, de devises et deux, de dettes. Alors aujourd'hui, si l'on se fie aux chiffres de la BRI, on est entre 730 000 et 750 000 milliards d'encours sur les dérivés de toute nature. Il faut que je m'asseye là. Sachant que 65 à 70% des dérivés sont des dérivés de dettes sous toutes leurs formes, hein. Alors dettes d'État, dettes hypothécaires, high yield. Alors high yield sous toutes formes, hein, dettes d'entreprise, dettes de municipalité, ce qui a déjà été évoqué, etc. Donc grosso modo, si vous voulez, l'encours des dérivés de dettes de crédit automobile, crédit, tout ce que vous voulez, c'est 500 000 milliards de dollars. Bon, le taux de progression est assez facile à calculer puisqu'on était redescendu à 445 000 milliards de dérivés en mars 2009. Donc 4 ans et 6 mois plus tard, on est à 730 000, 750 000 milliards. Si l'on continue exactement sur le même rythme, c'est facile, on agrège les injections de la Banque centrale d'Angleterre, du Japon, des États-Unis, ce qui nous fait bon an mal an 150 milliards de dollars par mois. Donc c'est facile, hein, ça fait 5 milliards par jour. Tout cela investi à 70%, voire 80% dans des dérivés de devises et de dettes. Au mois de juillet 2014, on aura probablement atteint un encours de 1 million de milliards de dérivés. Alors actuellement, qu'est-ce que ça représente réellement pour les banques et tous ceux qui investissent dans ces produits? C'est quelque chose de l'ordre de 30 000 milliards. Bon, ça veut dire quand même qu'on est sur des leviers de 25. Vous réalisez ce que c'est que des leviers de 25. Voilà, Olivier, c'est très très bien ce que ça représente. Et bon, par exemple, pour des banques françaises ou beaucoup de banques d'affaires américaines, leurs encours sont sur des leviers de 40, voire davantage.
jusqu'à 60 en Allemagne pour Commerzbank. Hein. Donc voilà, ces histoires sont proprement vertigineuses, incompréhensibles pour un particulier. Et je voulais juste, avant de passer la parole, préciser que pourquoi est-on sur ce genre de levier de 30, 40, 50 ? Parce que si on ne multiplie pas ces achats virtuels de dettes, on n'est pas capable de maintenir les taux au niveau où ils sont, c'est-à-dire 2,75 sur des T-bonds américains, 1,70, 1,75 sur du Bund, 2,5% en moyenne en Europe. Ces leviers permettent de fausser, par une offre pléthorique d'argent, permettent de fausser le prix des dettes, le véritable prix des dettes. Donc il y a à la fois des leviers absolument vertigineux et d'autre part un autre phénomène qui est la spoliation, bien sûr, des détenteurs de dettes. Est-ce que vous pouvez nous démocratiser un peu plus cette information par rapport au volume de produits dérivés ? Est-ce que vous pourrez ensuite enchaîner sur les taux, les menaces que ça représente, la position des différentes banques ? Tous ceux qui utilisent une banque savent qu'il y a deux banques. Il y a la banque qui a des liquidités et fait des prêts, et puis il y a la banque qui prend des engagements que, dans le jargon bancaire, on appelle du hors-bilan. Mais c'est des engagements. Jusqu'à il y a 15 ans, le total bilan et hors-bilan ne devait pas dépasser entre 8 et 12 fois les fonds propres. Nous sommes arrivés à ce que, grâce au hors-bilan, ou à cause du hors-bilan, les ratios fonds propres total de la banque se situe pour les banques les mieux gérées à 20 à 1, pour les banques les plus risquées à 80 à 1. 80 à 1, il y a un établissement qui, à la fin 2012, avait 76. Lequel ? Vous êtes là, c'est... Je ne propose pas une corde à un pompe. Non, on ne va pas. Alors, à partir de là, on peut se dire que ça doit diminuer. D'accord ? Pourquoi est-ce que ça a augmenté ? Et pas à cause des banques uniquement, à cause des États. Elles ont voulu placer vite et pas cher le papier dont elles avaient besoin. Bon. Donc si ce mécanisme banque-État se modifie, quel est le risque pour le particulier ? Le premier risque pour le particulier est que les banques en prennent moins, les États maintiennent des besoins d'endettement importants, et bien à ce moment-là, les taux montent. Alors, si les taux montent, comme l'un d'entre nous l'a dit à juste titre, vous, particuliers, vous serez stimulés à en acheter, mais vous, particuliers, vous allez à moitié pleurer, hein, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, parce que ce que vous avez investi, soit directement, soit dans des fonds de retraite, va se dévaloriser. En effet, si les taux montent, la valeur de ce que les banques ont en obligation baisse. C'est de l'arithmétique financière de base. Alors, le risque pour nous tous, hein, c'est que les taux montent, la valeur des fonds de pension et des fonds de retraite baisse, les actifs dans lesquels, les fonds dans lesquels vous avez investi aient moins de valeur, et que votre actif net, c'est-à-dire votre richesse personnelle, se voit diminuer. Est-ce que vous avez un conseil pour se préserver de ce type de mouvement ? Écoutez, moi je peux dire ce que j'ai fait pour moi. Ça fait 8 ans que je n'ai pas un titre, pas une oblique, et que je suis en liquide. Donc, je suis banquier. C'est donc que je me méfie considérablement de vos collègues. Pas de mes collègues. Du système. D'accord. Olivier. Oui, peut-être rebondir sur deux trois points. Peut-être pour être un peu plus concret sur les produits dérivés. Faut peut-être expliquer que les produits dérivés sont en gros des instruments qui, en théorie, sont censés être des instruments d'assurance. Sur les différents éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, peut être vu aussi comme des paris, ça dépend comment c'est fait, mais imaginons un produit dérivé de change, eh bien on va faire un pari sur le cours du dollar dans un an,
Et puis, je vais payer une petite prime. Et puis, si le dollar dépasse un tel niveau, eh bien, dans ce cas-là, on va me donner de l'argent. Et puis, s'il est inférieur, j'aurai perdu, comme pour une assurance. Donc, c'est un système à la base et intellectuellement qui est un système relativement sain et qui permet de s'assurer, donc, en théorie, de diminuer le risque. Parce qu'évidemment, si je suis exportateur européen, c'est un produit qui m'intéresse parce que, du coup, je sais que dans un an, je connaîtrai le prix. Ça revient quelque part à connaître le prix du dollar dans un an, en tout cas, de s'être assuré, de faire comme si on connaissait le prix du dollar dans un an. Donc, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça a été complètement détourné de cette finalité-là, et que ceux qui achètent les produits ne sont plus des gens qui vont vendre des produits aux États-Unis qui ont besoin d'une assurance financière. Ce sont des gens qui font un pari, comme vous et moi. On dit juste, tiens, je donne de l'argent, et puis si le dollar monte, eh bien, je récupère de l'argent, donc je fais ce pari-là. En clair, la différence, c'est que dans le premier cas, si je suis exportateur et que ça se passe mal au niveau du dollar, je vais perdre de l'argent. Donc, j'ai un risque de perdre quelque chose. Ce produit dérivé me permettait de m'assurer contre cette perte. Quand on est passé en mode pari, je ne risque plus rien. Quel que soit le niveau du dollar, en théorie, qu'il soit haut, qu'il soit bas, ça ne me coûte rien. Je prends juste ce pari-là. Enfin, comme je crois parier aux courses, hein, c'est exactement la même chose. Olivier Philippe, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que a dit Hervé et Olivier, et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du shadow banking et ce que ça représente sur l'économie US et sur l'économie mondiale? Vous battez pas pour prendre la parole. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Olivier. En apportant une précision, c'est que beaucoup de ces paris sur des produits obligataires sont assez classiquement des arbitrages taux fixes, taux variables à terme, alors 3, 5, 10 ans, en fonction des maturités qui existent sur le marché. Mais on voit se reformer à peu près le même genre de bulle qu'en 2005, 2006, 2007 sur les subprimes. On est en train de les recréer purement et simplement. On recrée de toutes pièces des dérivés de crédits immobiliers ou de créances immobilières. Alors pas seulement aux États-Unis, on en trouve maintenant à peu près partout. On recrée également des dérivés de crédits auto. On n'a absolument pas appris les leçons de 2007-2008. On est reparti de plus belle. Et on est reparti en vous expliquant que finalement, peu importe la taille de l'encours, 1 million, 2 milliards, fin 2014. Mais de toute façon, le système est stable puisque tous ces paris sont des paris assurés. Il y en a dont c'est le métier de prendre du risque, d'autres qui se proposent de l'assurer, et tout le monde est d'accord pour que ça fonctionne. Il y en a qui veulent du risque, il y en a qui veulent se couvrir contre le risque, donc on peut le faire presque de façon infinie. Le problème, c'est qu'on l'a vu en 2008, les assureurs, ils n'ont absolument pas les moyens, lorsque les choses se passent mal, de remplir leurs obligations. Mais on continue aujourd'hui de faire croire que cette fois-ci, ça va bien se passer. Et il suffit, vu la taille de l'encours, qui est une variation de seulement 0,3% de la masse globale, à la baisse par exemple, pour provoquer des pertes gigantesques. Et à 3% de baisse de valeur de l'encours total, la plupart des banques n'ont plus rien au bilan, leurs fonds propres sont littéralement carbonisés. Et ce qu'on sait en plus de ça, c'est qu'avec la puissance de l'outil informatique, lorsque les choses vont commencer à se déballonner, tout va aller extrêmement vite. Olivier, ça marche? Ouais, je dirais qu'on est dans une situation qui est bien pire que celle de 2008 parce que en plus, on se croit protégé. C'est-à-dire que je pense que les banquiers ont l'impression que on leur a mis des règlements, des contraintes hein, qui font que maintenant on a une bonne notion du risque et qu'on ne risque plus rien. On voit ça sur ce qui est quand même un peu effarant. On voit aujourd'hui que les fonds propres et les ratios sont déterminés toujours avec le même moyen, c'est-à-dire quand vous avez un pays souverain, c'est pas un risque, donc vous n'avez pas besoin de mettre de fonds propres en face. Est-ce que vous pensez quand vous avez quelque chose qui est noté par nos chères agences de notation qui ont quand même échoué lamentablement depuis des années, en
en nous collant des subprimes notés triple A et compagnie. Enfin bon, c'est quand même ahurissant de pas comprendre que ces gens-là ne servent à rien, par définition, et baser un système de risque là-dessus, c'est complètement fou. Or, on continue joyeusement, c'est-à-dire que si vous avez Standard & Poor's ou Moody's qui vous note quelque chose double A ou triple A, il y a plus beaucoup de triple A, il y a plus que l'Andouillette qui est à 5A, mais en dessous, il y a plus grand-chose. Mais vous en avez quand même aujourd'hui des triple A, des double A, et celles-là sont considérées comme indéboulonnables et ne méritant pas que on mette un peu de fonds propres en face. Donc vous croyez protégé, vous pensez qu'il y a eu des règlements, vous pensez qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place depuis 2008, en fait, pas du tout. Donc on continue exactement comme avant, avec en plus une masse qui a considérablement augmenté, et qui fait que maintenant les choses sont tellement tendues que la moindre petite poussière là-dedans peut se terminer très très mal. Philippe ? Ouais, je voulais juste... apporter une petite réponse au sujet du shadow banking. Donc ce shadow banking, c'est comme il est constitué, hein, souvent des transactions de gré à gré non listées entre établissements, et le plus souvent d'ailleurs entre établissements, par exemple basés sur le sol des États-Unis ou le sol européen. Est-ce qu'il y a un contrôle diplomatique, un contrôle des législateurs sur le shadow banking? Est-ce que les États, est-ce que nos ministres, est-ce que notre pouvoir, est-ce que le pouvoir américain a un regard effectif, opérationnel sur le shadow banking? C'est un tellement vaste sujet, et je pense qu'on va y revenir, mais que je voulais juste rester moi sur ce sujet précis du shadow banking. Donc, le principe, c'est effectivement conclure des transactions de gré à gré entre un établissement dans un pays où il y a une surveillance et des pays offshore où il n'en existe pas. Et pourquoi ce shadow banking n'a pas du tout été restreint ni encadré après 2008? Bah, tout simplement parce que on n'a pris que des demi-mesures. On a créé une Volcker Rule qui n'est pas appliquée de façon... De toute façon, elle est presque vidée de sa substance aujourd'hui. Mais cette Volcker Rule a amené les établissements à créer des filiales de façon à ce qu'aucune d'entre elles ne dépasse une certaine taille critique qui l'oblige à déclarer ce qu'elle fait. Donc avant, j'avais ma division banque d'affaires qui faisait par exemple 50 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai 10 filiales banque d'affaires qui font chacune 5 milliards et qui ne sont pas contrôlées. Donc le shadow banking, on le contourne. Et puis on apprenait hier, je vais situer dans le temps, donc c'était le 17 ou le 18 novembre, que la Fed décidait de reporter d'un an la mise en application de la Volcker Rule telle qu'elle existait, telle qu'elle était conçue. Pour juillet 2014, ça sera repoussé à 2015, mais avec un intense lobbying des banques, on peut s'attendre à ce que cette Volcker Rule, d'ici juillet 2015, soit totalement vidée de sa substance, n'ait plus aucune efficacité ni aucune valeur contraignante. Hervé, Olivier, allez-y. La réalité, elle est triple. La première, c'est qu'il y a immensément beaucoup de capitaux et qu'ils ne font qu'augmenter. Et que cette pléthore de capitaux sait très bien que ça n'est pas en plaçant l'argent dans les banques qu'ils vont avoir le rendement minimum. Donc, ils font du shadow banking. Et ils font du shadow banking en dehors des règles bancaires. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes d'hommes qui vont prêter à telle entreprise, prêter à tel particulier, investir, sans contrôle des banques. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que les banques ne sont plus en mesure de contrôler. Pourquoi ? Mais il faut lire le livre de Bernanke sur la crise de 1930-38, où il dit la principale raison de la crise, ça n'est pas 1929, c'est le fait qu'à partir de 32, les banques ont mis à pied des milliers de banquiers commerciaux capables de faire des prêts, et que quand nous avons voulu redémarrer, ces banquiers, comme
le fils, comme le père du directeur général de la Chase quand j'étais jeune, était devenu chauffeur de taxi. Donc, il ne faisait plus de la banque depuis 15 ans. Bon. Le troisième point, c'est que la réalité du risque est camouflée à tous les niveaux. Hein. Les banques ont des pertes en interne très importantes qu'elles ne montrent pas. Les banques centrales n'exigent pas la transparence. Les organismes chargés de faire les audits en disent encore moins. Et les directions générales se taisent dans toutes les langues. Donc, si nous prenons les remarques qui viennent d'être faites et ce contexte bien caractéristique de pas d'information, une volonté farouche des dirigeants de continuer à gagner des fortunes, un manque de contrôle et une hypocrisie générale, nous voyons que nous sommes dans un milieu risqué avec des acteurs qui feront des choses contraires à l'intérêt général. Olivier ? C'est difficile de rebondir après ça quand même. Hein. Le diagnostic tout à fait juste. Lucide. Et tout à fait lucide. Donc en effet, ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'a rien fait de sérieux après 2008, ou en septembre 2008, je pense que tous les banquiers de la planète suaient à grosses gouttes. C'est-à-dire tout le monde a compris qu'on était quand même pas très loin d'un écroulement généralisé. On n'a rien fait de sérieux. C'est vraiment du replâtrage. Et encore, dont certaines mesures arriveront dans 5 ou 10 ans. Et qu'on n'a rien fait, et c'est pire qu'avant. Voilà. Je vais vous citer un petit chiffre sur les monnaies, le marché d'échange sur la planète. Pour justement tangibiliser un peu les choses. Il y a tous les jours 70 milliards d'exportations sur la planète. Hein, ils se vendent donc, ils s'échangent, 70 milliards. Donc on peut dire que si on voulait s'assurer sur tout, bah, il faudrait 70 milliards d'assurance. Et encore, je ne tiens même pas compte du fait que ça se fait souvent dans la même monnaie, en euros ou en dollars. Mais voilà, l'ordre de grandeur, ce serait peut-être au maximum 70 milliards. Tous les jours sur la planète, en 2007, il s'est changé 3000 milliards de dollars. Donc évidemment, la plupart, c'était juste des gens qui pariaient sur le yen. Hein, Philippe, on parie sur le yen, demain ça monte, ça baisse, tiens, je te donne de l'argent, on voit ce qui se passe. C'était 3000 milliards par jour en 2007. En 2010, c'est passé à 4000 milliards par jour. On vient d'avoir le chiffre, en 2013, 5200 milliards par jour. Donc, évidemment, les exportations n'ont pas beaucoup changé sur la planète. Donc, on voit qu'on a un système qui, en effet, regorge d'argent, on ne sait plus quoi en faire. Et donc, on fait des paris. Tant que tout se passe bien, hein, comme disait Philippe aussi, effectivement, on peut faire des produits dérivés, on peut en faire plein, ça gonfle. Oui, s'il y a toujours quelqu'un de solide en face, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il y en ait un qui tombe pour que tout s'écroule. On n'a pas fait grand-chose en 2008, c'est-à-dire la seule réaction du G20, ça a été de faire une liste de banques systémiques. Le G20 a fait une liste en disant, on avait première liste 29, je crois, ou 30. C'est les 30 banques sur la planète, on les a identifiées, il y a les noms, hein, pour le coup, là. Si une banque tombe, il y a un cataclysme planétaire, c'est-à-dire ça risque d'entraîner toutes les autres banques avec elles, et donc toutes les économies qui sont effectivement liées aux banques. Après, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va peut-être mettre un peu plus de capital, on va voir, réfléchir. Mais le fait de se dire comment on peut accepter l'existence de structures, l'existence d'une banque systémique. Comment on peut accepter ça intellectuellement? Alors qu'il suffit de couper la banque en 3 ou 4 à la rigueur, hein, sans même aller chercher des trucs très méchants, dire on va diminuer la taille, diminuer le risque. La Volcker rule. Oui, mais enfin, faut que ce soit certainement plus costaud. Parce que même la Volcker rule, un peu plus sérieux. Pour JP Morgan ou Goldman Sachs, je pense que c'est quand même vraiment pas le bon ordre de grandeur. En tout cas, l'idée, elle est là. En France, on avait 5 banques systémiques. On est quasiment, pas champion, les États-Unis d'abord, mais on en a autant que l'Angleterre, il y en avait 5. Bon, il n'y a plus que 4. Rassurez-vous, Dexia vient de sortir de la liste pour les raisons que vous connaissez. Bon, on va peut-être arriver en effet à 0. Il n'y en a qu'une en Allemagne, qui déjà pose beaucoup d'inquiétudes aux Allemands. Pourquoi on en a 4 fois plus que les Allemands? Pourquoi là on nous dit pas, tiens, pour le coup, l'Allemagne, là, c'est peut-être un modèle à suivre, avoir qu'une seule banque systémique. On voit qu'on ne pose pas ces questions-là. C'est surtout comment ne pas remettre en cause le système alors qu'on sait, et il n'y a pas besoin d'être trotskiste, que c'est dangereux. C'est formidablement dangereux. Pourquoi on n'est pas capable d'exiger le même degré de sécurité financière qu'on exige de sécurité nucléaire? Alors que les risques sont quand même du même ordre de grandeur. Sur la perception des risques, on a pu voir avec les fuites d'Edward Snowden que l'État américain essayait d'anticiper les risques à tout prix, quitte à s'asseoir sur la Constitution et sur les pères fondateurs, et à s'asseoir surtout sur ses alliés.
Je voudrais avoir votre réaction, Hervé, sur la NSA, le comportement prédateur au niveau de l'acquisition des renseignements, que ce soit sur le milieu bancaire, que ce soit sur le milieu économique. Qu'est-ce que vous en pensez, d'un point de vue personnel et d'un point de vue un peu plus professionnel ? Écoutez, commençons par une constatation qui est que la capacité à connaître tous les mouvements financiers est le résultat d'une succession de révolutions technologiques et qu'on ne va pas revenir dessus. Et que nous pouvons dire c'est immoral que cela soit ainsi. J'ai été chief executive dans une banque anglaise qui a créé le mécanisme de contrôle de tous les flux financiers entrant et en sortant de l'Europe. Et nous avons été obligés par les banques centrales européennes à donner notre fichier quotidien aux Américains. Donc c'est la réelle... Dans quelle année ? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Nous nous remettions tous les soirs à Washington C'est à Washington, à la SEC ou à Washington au pouvoir exécutif ? Je ne le sais pas. D'accord. Je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que l'ensemble de ces mouvements financiers touchant l'Europe pour le reste du monde était partagé avec les Américains et que l'argument qui nous avait été donné, c'est qu'il fallait saisir l'argent sale, l'argent de la pègre, etc. Bon. Je ne vois pas cette situation changeant. Est-ce que je trouve qu'elle est moralement condamnable ? C'est une limite évidente et une emprise triste sur notre vie privée, mais elle est. Hein, et nous en venons à un deuxième point qui est, elle est parce que le rapport de force entre les États-Unis et l'Europe ne se renforce pas énormément au profit de l'Europe. Philippe, au niveau des comportements prédictifs sur les flux financiers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? L'hyper-frequency trading est-il backé par des algorithmes de la NSA ? Est-ce que la NSA est devenue la pointe de diamant des comportements prédictifs pour le système financier américain ? Je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs les plus performants, les plus innovants, certainement... Il y en a avoir un certain nombre qui travaillent pour la NSA. Je pense que Goldman Sachs et JP Morgan ont également une pépinière de chercheurs très innovants, très pointus. En ce qui concerne l'espionnage, on semble avoir complètement oublié, il y a une dizaine d'années, qu'il existait Echelon, qui nous espionnait depuis la pointe de la Cournoye, enfin qui espionnait toutes les conversations téléphoniques, mails. Maintenant, bon, on voit que Prism est simplement un peu plus performant, hein, avec la loi de Moore, j'imagine qu'ils ont un taux de couverture bien supérieur aujourd'hui. En fait, il y a depuis fort longtemps et à un certain niveau, un comportement collaboratif entre les grandes oreilles américaines, les grandes oreilles françaises, les grandes oreilles israéliennes. Alors évidemment, il n'y a pas de collaboration évidente avec les Russes ou avec les Chinois, qui eux, par contre, sont peut-être dans un système d'échange. Mais enfin bon, tout le monde espionne absolument tout le monde. Alors après ça, on trouve ça immoral ou pas immoral. C'est comme ça. Olivier de la Marche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Moi, je rebondirais simplement sur ce que Monsieur de Carmois a dit. Ça fait 15 ans que ça dure, probablement même beaucoup plus que 15 ans, et on a l'air de découvrir ça aujourd'hui, comme d'habitude. C'est-à-dire que les Français poussent des cris d'orfraie en disant « mais c'est pas possible, les Américains nous espionnent-ils » Oui, ils nous espionnent. Enfin, ils nous espionnent depuis, ça fait depuis la guerre que ça vous, en tant que particulier, qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, personnellement, n'ayant pas grand-chose à cacher, je m'en fiche complètement. Mais ça, c'est juste pas très agréable de penser qu'on peut écouter vos conversations et qu'on peut
Voilà, alors maintenant on peut aussi s'amuser et à chaque fois qu'on décroche son téléphone dire terroriste, bombe et compagnie, parce que ça marche sur des algorithmes et que donc vous serez écouté et leur balancer après un certain nombre de bêtises, mais je veux dire c'est très désagréable, point. Bon, maintenant moi j'ai pas de secret d'état et donc personnellement s'ils m'écoutent ils vont pas apprendre grand chose qu'ils ne sachent déjà. Donc Olivier Berruyer, je voudrais votre avis sur l'accord transatlantique. Sur ce point-là, moi j'aimerais quand même rebondir. C'est quand même quelque chose qui est assez terrifiant quand on regarde en quelques années. Évidemment, le principe est vieux, hein. C'est pas l'urette qui les espionne de ci, de là. Mais ce qui a vraiment changé, c'est les capacités. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant largement les capacités d'enregistrer 100% de toutes les communications téléphoniques qui sont passées dans le pays et d'archiver ça tranquillement. Alors évidemment, la NSA est en pointe sur ce sujet-là. Et les réactions, d'ailleurs, européennes et françaises ont été très intéressantes à ce niveau-là. On a bien vu qu'assez rapidement, il y a eu des protestations de pure forme parce que, évidemment, le gouvernement français fait un peu la même chose, sans doute en beaucoup moins bien, à son grand regret, parce qu'il n'a pas encore les capacités. On sait très bien qu'il y a aussi ce genre de pratiques qui sont faites en France. Alors, on peut dire, en effet, bon, finalement, c'est vrai, au moment des secrets. C'est désagréable, je te confirme. Aujourd'hui, mon souci, c'est évidemment immoral. Mais bon, à la rigueur, on peut dire la morale où on en est dans notre société aujourd'hui, mais c'est dangereux. Je vais prendre la parole. Et c'est dangereux. J'aimerais finir sur ce point-là. C'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe si, comme c'est quand même aussi un peu le sens en ce moment, on rentre dans des régimes de moins en moins démocratiques? Ça aurait donné quoi, ça, en 1940? Les Facebook de Jean Moulin, je pense que c'était intéressant à avoir pour pas mal de personnes. Et c'est vrai qu'on a un stade aussi où on fait quoi? On voit que c'est pas, on va l'interdire, c'est vraiment possible. Et si on prend un peu de recul, c'est assez triste puisqu'on se rend compte que systématiquement, l'espèce humaine, vous lui donnez un pot de confiture, ils mettront la main dedans. Alors évidemment, ce sera au début pour lutter contre évidemment le terrorisme et les barbares. Mais enfin, bon, on enregistre quand même 100% des communications, on sait jamais. Et vous avez ça sur plein de sujets. Vous avez ça évidemment alors là sur l'informatique, vous avez ça sur la biologie, où en ce moment des chercheurs sont en train de bricoler le virus de la variole, parce que des fois on ne sait jamais. Vous donnez l'énergie nucléaire, rapidement on fait des bombes nucléaires, pour le moment ça s'est encore pas trop mal passé, sauf pour le Japon. Ça aura donné quoi au bout de 300-400 ans, on sera plus là pour le voir, mais enfin on peut aussi être inquiet sur cette incapacité à dire, essayons d'être un peu prudent et d'être un peu raisonnable. Oui, moi je dirais même que la NSA c'est l'arbre qui masque la forêt quelque part, puisque les agences de renseignement américaines qui nous espionnent sont au nombre de 14. Alors, elles ont toutes leurs spécificités. 13, ça porte malheur. Voilà. Donc, parmi ces agences qui nous espionnent, alors certaines sont effectivement là dans l'intelligence économique. Donc, elles essaient de savoir qui essaie de passer des contrats avec qui. Y en a qui espionnent purement les brevets. Il y en a qui espionnent les transactions financières. Il y en a qui essayent de collecter du renseignement sur toute la finance opaque. Mais enfin, souvenez-vous ce chiffre, 14 agences de renseignement. La NSA n'est que la plus grosse, mais chacune, effectivement, a son champ d'investigation. Avec deux petits scandales juste pour finir, deux coups de gueule. Un contre l'Angleterre, qui me semble-t-il fait partie de l'Union européenne et qui est la porte d'entrée des États-Unis pour espionner tous les câbles transatlantiques qui passent chez elle. C'est-à-dire comment on accepte qu'un pays de l'Union européenne espionne les autres pays, et non pas pour le terrorisme, mais vraiment pour l'espionnage économique principalement. C'est pour éviter qu'on exporte des informations pas fraîches ou avariées. Oui, ça doit être ça. Donc, bravo à la solidarité européenne. Deuxième point, Edward Snowden, qui tout de même, grâce à lui, on a appris plein de chose. Le pauvre gars est à Moscou, on lui refuse l'asile politique pour pas déplaire aux États-Unis, et on a été quand même à deux doigts d'abattre l'avion du président, c'était quoi, bolivien, je crois, oui. Il me semble bien. Parce que peut-être qu'il était dedans. Enfin, c'est quand même une folie furieuse, et on fait tout pour justement décourager les lanceurs d'alerte, et le Japon vient de présenter une loi pour punir les lanceurs d'alerte et non pas les protéger. Il y a quand même quelque chose qui est, je trouve, inquiétant, c'est la dérive totalitaire dans tous les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on voit quand même que les États
sont acculés, sont dos au mur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un montant de dette dont ils savent pas quoi, comment faire pour l'annuler ou le réduire ou s'en sortir. Ils n'ont plus de croissance devant eux et aujourd'hui ils sont dos au mur. Et quand c'est exactement comme quand vous blessez une bête à la chasse, ça devient très dangereux. Et là, on est aujourd'hui avec un déni de démocratie européen, mais ça fait quelques années déjà. Et on est dans un État qui a une dérive qui n'est plus respectée parce qu'il n'est plus respectable et qui est en train de dériver dangereusement. Donc c'est vrai que maintenant, avec les moyens qu'ils ont, ça risque d'être un peu compliqué pour nous. Mais avec des choses assez inimaginables. Enfin, quand on voit que le Guardian, hein, qui a recueilli toutes les données de Snowden, a été obligé en Angleterre de détruire les disques durs, où la police est venue au Guardian pour vérifier qu'avec un marteau, ils détruisaient bien les disques durs où il y avait les informations de Snowden. En plus, ils avaient dit, vous savez, on les a déjà copiés à l'étranger, hein. Mais ils ont dû, quand même, faut réfléchir deux secondes. L'Angleterre, qui est en plus le pays de l'habeas corpus, qui a demandé à un journal de détruire les disques durs d'informations qui est sur les États-Unis. J'aurais une question pour Hervé. Vous avez été vice-président de la commission trilatérale. Vous revenez de Cracovie, si mes souvenirs sont bons, vous avez participé à la commission trilatérale récemment. Sans trahir le secret des dieux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la perception qu'a la trilatérale sur ce qui se passe aux États-Unis, sur l'économie américaine? Quelles sont ses préconisations? Et allez-y, je vous en prie. La préconisation, je dirais, de presque tous les pays de la trilatérale d'Europe et d'Asie, c'est plus d'Europe. Hein ? Plus d'Europe, c'est-à-dire une Europe plus musclée, plus structurée dans le domaine financier, qui arrive à prendre des mesures qui assureront la croissance européenne à long terme, et que beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques trouvent que notre transformation vers l'unification et vers l'action de la communauté européenne est très ralentie. Bon, la deuxième, c'est qu'ils ne pensent pas que ça va s'accélérer. Ils considèrent que, avec une Angleterre très réticente et l'ambiguïté américaine, qui, rappelons-le, est quand même à l'origine. L'Amérique est à l'origine du mouvement européen. Jean Monnet a travaillé 25 ans aux États-Unis. Donc, c'est bien de le rappeler. Hein. Comment ? C'est bien de le rappeler. Non, mais il faut. Ils sont à l'origine. Mais quand ils voient l'Europe se développer, comme l'un des grands moteurs des Américains, c'est le pouvoir, si possible, prééminent, ils ont des comportements où ils veulent bien que l'Europe se fasse, mais à un rythme qui leur permet de préserver leur prééminence. Monsieur Béchade, monsieur Delamarche et monsieur Berruyer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ceux censés veiller sur nos problèmes, ceux censés conseiller nos dirigeants? Quelle opinion vous avez des think tanks à l'heure actuelle? Si vous avez un think tank à nous recommander, ou si vous avez un think tank qui a fait des prérogatives qui se sont retrouvées complètement dans le vent ou dans les choux? Sur les think tanks, j'ai rien à dire sur les think tanks. J'aurais à dire sur. Vous êtes en think tank là déjà. sur les quelques conseillers des gouvernements successifs qui me paraissent très très déficients, on va dire, pour pas dire autre chose. Déficient par rapport à leur perception ou par rapport à tout. Enfin, on a quand même des gens qui traînent dans les cercles du pouvoir et qui ont échoué à chaque fois qu'ils ont été dans une société. Je ne citerai pas son nom, mais enfin, qui nous délivre ses pensées qui n'intéressent personne sauf lui, peut-être depuis des années et des années. Donc. Et aujourd'hui, quand on voit les actions qui sont menées par notre gouvernement, on peut pas dire quand même que
suivent un chemin très intelligent. Donc, voilà. Olivier Berruyer. On peut dire un mot sur l'Europe. C'est intéressant ce débat. Malheureusement, moi j'ai tendance à penser que toutes les dérives néolibérales depuis les années 80 ont tué le projet européen. Parce que le projet européen est devenu maintenant synonyme de d'hyper-financiarisation, de troïka, de tensions majeures entre les peuples. Et ça a été fait pour. L'échec de l'euro en cours, il mettra sans doute le dernier clou. Et c'est dommage d'avoir transformé une idée à la base plutôt intéressante de coopération raisonnable et constructive entre pays européens en un projet, certes poussé à la base par les États-Unis, mais sans doute c'est une vision très faussée. Ont-ils essayé d'appliquer leur propre modèle européen qui n'a quand même pas grand-chose à voir, d'essayer de dire on va faire les États-Unis d'Europe, on est tous pareils, un Allemand, un Espagnol, un Français, quelle différence culturelle, aucune. Donc on peut unifier tout ça et faire un seul pays, et puis puisqu'on y est, on fait une seule monnaie. Avec des stratégies en plus où certains acteurs ont vraiment témoigné clairement en disant dans les années 80 on voyait que l'Europe n'avançait plus. Alors on va pas faire comment on fait pour les États-Unis d'Europe. Tiens, on fait une monnaie unique parce qu'on sait très bien que ça va poser des problèmes au bout de 10 ou 15 ans. Et là les gens n'auront plus le choix. Hop, ils seront bien obligés d'aller faire nos États-Unis d'Europe sans voir qu'éventuellement ça peut aussi foirer lamentablement, ce qui est quand même la direction à laquelle vers laquelle on se dirige. Enfin avec une inconséquence que je trouve assez criminel, hein, parce que finalement, il se passe quoi au final? C'est une résurgence des nationalismes. Hein. Évidemment, si sur un sujet aussi sensible, avec les dérives qu'il y a eu dans le passé sur les nations, vous arrivez à essayer d'agglomérer le tout contrairement aux volontés populaires. Vous disiez tout à l'heure, ça avance pas beaucoup l'Europe. Dernier sondage, est-ce que vous voulez plus d'Europe? Oui, 19%. C'est bien réparti d'ailleurs, gauche-droite. C'est sûr que c'est pas une meilleure façon de faire progresser le sujet. Donc la question, comment on va réussir à détricoter les erreurs qui ont été faites sans tout jeter, sans jeter le bébé avec l'eau du bain? Comment on fait pour que justement on garde quand même le point principal qui est un minimum de coopération et d'entente en Europe? Et on voit très bien qu'on a des gouvernants qui sont pas prêts du tout de faire machine arrière, de revenir à une Europe puissance, une Europe qui a des vraies politiques, une Europe qui fait de l'Airbus, et non pas une Europe qui aujourd'hui interdit de faire Airbus, parce qu'aujourd'hui elle a essayé de faire une entreprise publique concurrente à une entreprise américaine, et puis on en reparle. C'est évidemment tout à fait interdit. Aller faire un Eurosoft pour concurrencer Microsoft, pour qu'on ait un outil pour gérer nos ordinateurs qui soit open source, histoire de savoir si par exemple le président américain a pas un bouton pour éteindre tous les Windows de la planète. Ça s'appelle le kill switch. Ouais. Enfin, bien, ça c'est quand même des sujets, des questions. Et bien que déjà on n'en parle pas, et en plus quand même on en parlerait, c'est interdit dans les traités européens. On a mis dans les traités européens, gravé dans le marbre, la liberté de circulation des capitaux, ce qui est une hérésie. C'est forcément quelque chose qui poussera in fine à ne plus pouvoir gérer un pays, puisque vous aurez de toute façon la menace des marchés financiers. Liberté de circulation des capitaux qui s'investissent, oui, très bien. Mais les capitaux spéculatifs dont on parle depuis un moment, qui peuvent rentrer le matin, être repartis une heure après en ayant déstabilisé le pays, est tout à fait inacceptable. Et qu'est-ce qu'on a marqué dans les traités? Non seulement il y a ça, en plus il faut l'unanimité pour venir en arrière. C'est marqué dans le traité de Lisbonne. Il faut l'unanimité pour venir en arrière sur la liberté de circulation des capitaux. La liberté des gens, non, ça, il n'y a pas de souci, on peut se faire. La liberté des capitaux, c'est noir sur blanc. Regardez, il y a un joli article là-dessus. Monsieur de Carmois, je voudrais avoir votre opinion sur l'intégrité du pouvoir élu, législatif, face aux banques. Est-ce que vous pensez que nos États sont suffisamment équipés pour pouvoir résister et imposer leur volonté pour l'intérêt général face à un lobby bancaire exempt qui court en fuite, en cavalerie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les mesures à prendre pour renforcer l'État, son intégrité, par rapport aux décisions prises sur cette ère qui est très compliquée? Il faut voir, est-ce qu'il y a un langage commun, c'est-à-dire un objectif commun? Et si on prend comme hypothèse que l'objectif commun aux États-Unis, en Europe, de tous les gouvernements de droite ou de gauche, c'est la croissance économique. Hein ? Si on prend ça comme hypothèse, alors on est obligé de se demander si les banques jouent leur rôle, les États jouent leur rôle. Alors pour que les banques puissent jouer leur rôle, il faut qu'elles aient à la fois des capitaux et des hommes pour pouvoir investir avec les PME, les entreprises qui se développent, les particuliers entrepreneurs.
À l'heure actuelle, les banques ne le font pas. Pourquoi ne le font-elles pas? Parce qu'elles ont absorbé des montants colossaux de dettes d'État, pas simplement d'États en bonne forme comme l'Allemagne, mais d'États qui ont des difficultés, et que les États contrôlent totalement le bilan des banques. Et ça, nous ne nous rendons pas compte. Ce qui pourra arriver de mieux aux banques, c'est que les États leur disent, écoutez, on vous rachète et on finance ailleurs toutes vos dettes d'État, et on vous impose de refaire de la banque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de la banque? On vous demande, et c'est la deuxième mesure que je recommanderais, que vos fonds propres par rapport à tous vos engagements bilanciels ou hors bilanciels ne dépassent pas 12 à 1, ce qui va impliquer, messieurs, qu'il va falloir que vous réduisiez vos effectifs, et ça va impliquer que vous réorientiez vos hommes, vous recrutiez de nouvelles équipes pour faire du crédit à l'économie, chose que l'État ne sait pas vraiment faire. J'en veux qu'un exemple, la difficulté qu'elle a à décoller de la Banque publique d'investissement. Monsieur Béchade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les capacités à mettre ce type de mesures en place face au montant de l'argent, je dirais, fictif ou dérivé? Est-ce que vous pensez que les États sont capables de mettre ça en place? Est-ce que c'est réaliste face à la montagne que nous avons accumulée pendant ces années? Je pense que tout le monde autour de cette table a bien compris que depuis 2008, toute tentative de régulation, de réglementation, sont systématiquement torpillées, aussi bien au Congrès américain qu'à Bruxelles. Torpillées par qui? Eh bien, par ceux qui, effectivement, veulent continuer d'agir, de se comporter comme avant la crise, qui veulent continuer de gagner beaucoup d'argent très vite sur des produits qui n'ont aucune utilité économique réelle. Et le métier de banquier, c'est quelque chose qui est tellement... c'est presque soporifique. On investit sur du très long terme, avec des perspectives de retour sur investissement parfois assez incertaines. C'est du détail, c'est tout ça, c'est très très laborieux. Alors que si un petit génie a trouvé une nouvelle martingale, un nouvel algorithme qui permet en quelques heures de capter un gros écart sur un dérivé de dette quelconque, eh bien, il est évident que la priorité va à ce genre d'opération. On parlait tout à l'heure des think tanks. Aujourd'hui, on va dire que l'utopie réalisée, eh bien, c'est celle du libéralisme inspiré de l'école autrichienne, sauf que on a refondu tout ça dans une sauce d'ultralibéralisme et de défaut total de contrôle. Donc, on a complètement dévoyé la pensée de l'école autrichienne, Mont Pèlerin. Et tout ça a été ensuite repris et reconfiguré par l'école de Chicago, porté jusqu'à Washington par la Banque centrale américaine, par donc tous les réseaux d'influence dépendants de l'école de Chicago. Et on est arrivé donc à instaurer un système dans lequel il y a quelques opérateurs qui baignent comme des poissons dans l'eau, de très grandes banques d'affaires et notamment Goldman Sachs, l'élite de l'élite de la pensée et de la compétence financière, qui fournit un secrétaire d'État pratiquement sur deux aux États-Unis, qui fournit des banquiers centraux donc à la BCE, Mark Carney en Angleterre, vice-président de la Banque centrale d'Australie. Tous les membres de la Fed, soit ont à un moment ou à un autre ont passé une partie de leur carrière, soit dans une grande banque d'affaires, soit ont travaillé à Harvard ou dans des universités où l'école de pensée est celle que l'on connaît et celle qui impose la pensée unique.
Donc aujourd'hui, pour sortir de ça, pour que les États reprennent la main, et comme disait M. Garnois, effectivement, que les États reprennent leur dette aux banques et reprennent, en fait, quelque part... Le contrôle. La liberté, parce que les banquiers, les créanciers tiennent, évidemment, tiennent les emprunteurs. Et je pense que dans tout cela, il n'y a pas de hasard. Quand il y a autant d'argent en jeu, c'est jamais du hasard. Donc, je pense que les banques, ou en tout cas certaines, pensent qu'elles ont peut-être une mission divine. Elles accomplissent peut-être l'œuvre de Dieu. Il y a que les fous qui peuvent penser ça. Enfin, qui non, quand même. Voilà. Comment on pourrait penser ça? Elles accomplissent l'œuvre de Dieu en gérant la dette. Sur l'œuvre de Dieu. J'ai une question pour passer du coq à l'âne. Je voudrais vous poser une question qui a l'air peut-être surréaliste à vos yeux, c'est est-ce que vous pensez que les comportements hors du commun que nous, certains traders ou que certaines salles des marchés ont pu avoir, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes favorable à un contrôle des stupéfiants dans les salles de marché pour éviter que l'on ait des directeurs de fonds ou des directeurs de salles de marché qui prennent trop de risques par rapport, je vais vous dire, c'est de notoriété publique, beaucoup de cocaïne qui tourne dans les salles de marché. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on teste, comme un pilote d'avion, les traders, les directeurs de banque, sur les stupéfiants? Testons tout le monde, parce que quelquefois, quand on entend les discours de M. Bernanke, on peut se demander s'il n'a pas fumé la moquette avant, donc pourquoi pas. Mais s'il avait fumé la moquette, il n'aurait pas cette position. Vous avez beaucoup de gens sur lesquels on peut se poser beaucoup de questions. Donc, s'il fallait tous les contrôler, on passerait notre temps à ça. Vous pouvez aussi contrôler le président de la République, son ministre de l'économie, parce que quelquefois, ils ont des discours qui sont plus que curieux. Donc, on peut se demander s'ils ont pris des substances illicites ou non. Monsieur Berruyer. Je serais favorable, oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vraiment une conviction forte qui est d'appliquer à l'industrie financière les mêmes normes que l'industrie nucléaire, et en particulier vu ce qui se passe et vu les risques qui sont pris par les opérateurs de marché, ça me semblerait une très bonne initiative. Moi, j'aimerais faire une petite remarque, parce que ça fait maintenant 2 heures qu'on parle du diagnostic de la crise, des analyses qui sont quand même pas très 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 différentes. Ce qui est pas très étonnant, parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à considérer qu'il faut pas à peine être très intelligent pour comprendre ce qui se passe, hein. Faut juste un petit peu d'honnêteté intellectuelle et de regarder un peu dans le détail et de pas se laisser, endormir par les sirènes. Moi, j'ai été assez frappé des propos d'Hervé, parce qu'ils sont, je pense que c'est la première fois qu'on voit un banquier de cette taille qui les tient en français. On n'a pas l'habitude d'entendre ça en France. Dans le monde anglo-saxon, beaucoup l'ont dit, les anciens PDG de Citigroup, tous ceux qui ont œuvré la démolition du Glass-Steagall, les anciens présidents de Morgan Stanley. Enfin, j'avais fait une liste comme ça, une vingtaine de personnes de la carrure d'Hervé qui en parlent. C'est que déjà en France, pourquoi on n'entend jamais un ancien banquier tenir des propos assez durs? C'est déjà une vraie question. Moi, j'aimerais demander à Hervé, parce que bon, on pose le diagnostic, c'est bien, on va peut-être parler tout à l'heure d'idées, de solutions. Ma question, c'est pourquoi ça ne se met pas en place? Moi, c'est ça que j'aimerais avoir votre vision. Pourquoi après, je répète, cette vision où tous les banquiers en 2008 ont eu des grosses gouttes en se disant tout va s'écrouler, on arrive à un système où on n'est pas capable de prendre des mesures qui en plus sont pas spectaculaires. C'est-à-dire, c'est des points, ça nous ramènerait en gros 1980. Hein. Moi, quand je suis né, et quand j'ai eu 10 ans, il y avait toujours qu'un fixing par jour à la Bourse de Paris. Et il me semble que le pays se portait pas trop trop mal, il y avait même 2 ou 3 points de croissance en plus à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, ça paraît inimaginable de dire, après tout, une action, ça a une valeur pendant une journée, c'est la même. C'est une norme comptable, d'ailleurs, pour être sûr que ce soit pas détourné. On pourrait imaginer des trucs comme ça. Hein. C'est pas une révolution. Hein. Imaginez qu'on va donner un dividende triple à des actionnaires de plus de 10 ans, pourquoi pas. C'est le genre d'idées simples. On n'arrive pas à mettre en place des choses de bon sens qui, en plus, ont déjà été mises en place par le passé. D'où vient le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Sinon, on pourra parler, ça va s'écrouler une deuxième fois et on pourra, là encore, se réunir en disant, bah, on avait raison, les amis. Bon, mais malheureusement, on a, comme à Chypre, une ruine de tous les épargnants. Hervé? Oh, ben, il y a une réponse de bon sens. Pour passer de... Nous avons, on peut dire, en gros, le même système bancaire, la même organisation dans les banques avec des nuances d'informatique à droite et à gauche. En 2013,
qu'en 1980. Hein? On n'a pas changé. Pourquoi n'a-t-on pas changé l'organisation des banques en interne au cours des 30 dernières années, alors que vous prenez Renault, hein, pour prendre quelque chose de bien français, ou Peugeot, ils se sont complètement transformés sur les marchés, sur les méthodes de travail, sur leur marketing, etc. Parce que nous ne recrutons pas au sommet des banques des hommes qui peuvent conduire le changement. Nous ne les recrutons pas. Nous recrutons des types remarquablement intelligents, nous recrutons des gens qui ont fait l'inspection des finances ou le corps des mines, mais qui n'ont pas toute cette formation qui commence en bas, il faut commencer en bas pour comprendre comment un employé de banque travaille, pour comprendre comment le petit client réagit, et qui, montant dans sa hiérarchie, sait comment conduire le changement. Premier point. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'apprendre ? Hein ? Ils ne veulent pas l'apprendre pour deux raisons. C'est que l'essentiel, 30 à 40% du bénéfice des banques provient des activités de marché, et que pour arriver à retrouver une vraie rentabilité en diminuant les activités de marché, il va falloir réorganiser en profondeur la banque. De haut jusqu'en bas. Et pour ça, il faut apprendre et mettre en œuvre la conduite du changement. J'ai une question par rapport à cette réorganisation. Hervé, à l'heure actuelle, est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement, que nous avons dépassé le point de non-retour pour une refonte de cette organisation bancaire ? Je vais dire, prenons le cas de Fukushima. Nous avons un premier réacteur qui a flambé. Oui. Et les mesures que nous allons uniquement pouvoir faire, c'est des mesures palliatives. Oui. Sur un système bancaire à l'échelle mondiale globalisée, est-ce que vous ne pensez pas que cette refonte est tellement importante et tellement profonde que le courage nous manque et que le courage manque à nos décideurs politiques ? Mais il n'est jamais trop tard. Hein, si on écoutait les gens de 55-60 ans en 1947 dire « mais on va jamais avoir une industrie française ». Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Mais non, car moi, il n'y aura pas d'industrie française. On ne sait pas faire une industrie française. Bon, ben, très bien, il y a eu des Jean Monnet, il y a eu des grands industriels, les Paul de l'Ouvrier et compagnie, qui ont fait ça. Donc aujourd'hui, il faut des hommes qui affirment, qui soient compétents et qui soient prêts à transformer les banques. Et l'expérience que j'ai eue à Londres, où j'ai pris une banque qui avait 18 niveaux hiérarchiques, c'est colossal, qui n'avait pas changé pendant 100 ans, hein, sauf que son effectif avait doublé. Hein, et ben, on l'a fait. Il faut l'expliciter. On a expliqué ce qu'est aux petits Anglais, hein, on avait été la première banque il y a 100 ans, on était la 28e aujourd'hui, on se donnait 5 ans pour redevenir la 10e, et on l'a fait. Donc tout ça, c'est un problème de leadership, c'est pas un problème intrinsèque à la banque. Monsieur Delamarche ? Je crois que déjà, on a déjà... louper une fenêtre d'opportunité qui était 2008. Quand vous voulez négocier avec quelqu'un, il vaut mieux être en position de force. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous aviez des banques qui avaient des grosses suées, comme disait Olivier. À ce moment-là, il fallait pas leur donner le choix. Il fallait leur dire, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et puis pas autrement. Vous signez en bas de la page, nous, on va se charger de remplir. Les gouvernements l'ont pas fait. Les gouvernements, ils ont sorti les banques de l'eau, ils les ont séchées, ils les ont réengraissées, et à ce moment-là, ils les ont convoquées à Bercy et ailleurs en leur disant « Excusez-moi, nous, de vous déranger, est-ce que vous pourriez faire un geste et faire ce qu'on vous demande ?»
Qu'est-ce qu'ont répondu les banques à ce moment-là? Ils ont simplement fait peur aux dirigeants en disant « Attention, si tu nous embêtes, on prête plus. » D'accord? Donc, comme tout le système repose sur de l'argent gratuit, sur des taux à zéro, ce qui est la plus immense bêtise qu'on puisse faire, puisque ça fait une mauvaise allocation d'actifs systématique, et donc ça se termine toujours de la même façon, c'est-à-dire très mal, et que tout le système repose sur de la dette, et de l'émission de dette perpétuelle, donc vous avez un dirigeant qui se retrouve face à un banquier qui lui dit « si tu m'embêtes, je prête plus », et il paniquait, il dit « excusez-moi de vous avoir dérangé, vous pouvez revenir, vous pouvez repartir dans vos bureaux ». Donc, tant que ça durera et tant qu'on n'aura pas quelqu'un, comme disait Monsieur Tapie, sévèrement burné, qui pourra dire aux banquiers « non, c'est comme ça et c'est pas autrement », eh bien, vous aurez toujours le même problème. Personne n'a voulu, enfin on a bien vu, Olivier était très en pointe là-dessus sur la réforme bancaire, quand on a dit à Monsieur Oudéa qu'il fallait peut-être diminuer son bilan, il a dit « mais les activités de marché, ça représente 3% de mon activité ». Comme ça, en regardant, ou 2%, en regardant droit dans les yeux le député qui a dit « ah bon, je croyais que c'était plus, excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur Oudéa, et de vous avoir posé la question ». Donc, quand vous avez quelqu'un qui ment comme un arracheur de dents face à un député qui lui pose une question, qu'est-ce que vous voulez faire? Et que vous avez le député qui, en plus, de l'autre côté, s'écrase en disant « ah bah excusez-moi, j'avais mal compris », bon, bah, vous pouvez être sûr que les choses n'avanceront pas. Maintenant, il faut vraiment une décision politique et il faut vraiment quelqu'un qui ait envie de la mettre en œuvre. Et pour l'instant, à part les déclarations de Monsieur Hollande qui disait que son premier ennemi était la finance, mais ça n'est resté qu'une idée. Ils vont mieux. Oui, je pense qu'ils sont devenus amis. Et, ça restait simplement une déclaration. Vous étiez au BFM Award hier soir. Est-ce que vous pouvez nous faire remonter une petite information que vous avez livrée en off sur les déclarations de Monsieur Trichet? C'était très amusant. Alors évidemment, beaucoup de gens vous diront, mais enfin, Monsieur Trichet, de toute façon, il est à la retraite. Et ce qu'il a dit n'a absolument aucun intérêt, mais c'était quand même assez amusant. Il a dit trois choses. Il a dit que à son avis personnel, il souhaitait qu'on revienne à un système de taux de change fixe, qui était de la part de l'ancien patron de la BCE quand même quelque chose d'assez intéressant. La deuxième chose qu'il a dite, c'est que certains devraient se poser tout de même la question, tous ceux qui voient la reprise et la fin de la crise, pouvait se poser des questions, puisque quand toutes les banques centrales du monde utilisaient des mesures non conventionnelles et à un rythme effréné, on pouvait quand même se poser la question de savoir si on était réellement sorti de la crise. Ça, c'était pour ceux qui voyaient la crise derrière eux, je suppose. Petit message. Et la troisième chose qu'il a dit d'intéressante, c'est que pour tous ceux qui critiquaient aujourd'hui la BCE en disant qu'elle ne rentrait pas dans le jeu de la BOJ, de la Banque du Japon et de la Fed, c'est-à-dire à faire tourner la planche à billets et à faire des QE successifs, il disait, je vous rappelle tout de même, que depuis déjà un certain temps, c'est open bar illimité, ce sont ces termes, open bar illimité à la Banque Centrale Européenne pour les banques, qui peuvent venir se financer en échange de n'importe quelle cochonnerie d'ailleurs, puisqu'on abaisse régulièrement les niveaux de qualité des collatéraux et que donc maintenant la BCE ressemble plus à une poubelle qu'à une banque centrale. Monsieur Béchade ? Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, le bilan de la BCE est supérieur à celui de la Fed. Alors, bon, heureusement, grâce à Janet Yellen, il y a peut-être une chance que les États-Unis repassent devant. Mais bon, mais monsieur Draghi. Ouais, mais Draghi. Aussi, hein. Monsieur Draghi est là en embuscade. Et Draghi est là. A très envie de gagner la course. Pour peu qu'il y ait un feu vert de
la Cour constitutionnelle de Karl Schroe pour effectivement des LTRO illimités pouvant se transformer effectivement en quantitative easing. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, évidemment. En ce qui concerne l'impossibilité de réformer le système, bah, je pense que c'est assez clair. On a ce qu'on appelle la consanguinité et la collusion. Consanguinité entre les banquiers et les très hauts conseillers que l'on trouve, alors pas seulement à Bercy, puisque là, effectivement, entre l'inspection des finances, Polytechnique, etc., on retrouve à peu près les mêmes aux États-Unis qui hantent les couloirs de la Maison-Blanche. Chaque secrétaire d'État au Trésor américain est flanqué d'au moins 3 ou 4 conseillers issus tantôt de Goldman Sachs, tantôt de Citigroup. Donc le même tantôt, système de pensée. Voilà. Et il y aura ce qu'on appelle le système des revolving doors, c'est-à-dire que on fait quelques années de carrière dans une banque, évidemment à la haute direction, hein, pas dans les étages inférieurs, et puis on intègre l'équipe dirigeante, alors peu importe qu'elle soit républicaine ou démocrate, ou en France de droite ou de gauche, les gouvernements passent, les banques restent, donc on a l'idéologie cette idéologie, les peuples trépassent, les peuples trépassent. Donc là, on a cette consanguinité. Et ensuite, aux États-Unis, on a quelque chose qui est beaucoup plus assumé, qui est la collusion. C'est-à-dire que depuis un arrêt de la Cour suprême qui autorise maintenant une entreprise à financer de façon tout à fait ouverte un candidat n'importe quoi, un shérif à l'échelon local, un maire, un député, un gouverneur, un sénateur, c'est tout à fait transparent. Et c'est d'ailleurs été l'excuse, c'était de dire, jusqu'à présent, on avait des systèmes de financement opaques, on va moraliser tout ça, et maintenant, eh bien, on saura que tel candidat à une élection porte la casquette Kentucky Fried Chickens, ou la casquette Halliburton, ou la casquette supportée par quelques banques influentes de Wall Street. Donc, quand on a à la fois consanguinité et collusion, on ne peut pas réformer le système. C'est pas le tout d'avoir une utopie où on dit qu'on va pouvoir changer les choses ou créer une institution comme la trilatérale où on se dit que on ne reverra jamais une troisième guerre mondiale et on contiendra l'expansion du communisme, etc. à l'échelon planétaire. Il faut effectivement une utopie et il faut des gens pour la porter. Mais quand tous les gens qui sont au pouvoir sont issus de la même école de pensée, Mont Pèlerin, Chicago, qui sont tous passés par les mêmes, ils ont fait tous les mêmes parcours, banque d'affaires, et ensuite, on va dire, les ors de la République ou les allées du pouvoir. Eh bien, quand on est là, je vois effectivement difficilement comment on peut réformer. Donc, deux derniers mots. On va terminer par Olivier Berruyer et ensuite Hervé, vous prendrez la parole pour clore ce débat. Olivier. Le problème démocratique est en effet un enjeu majeur dans ce qui se passe. On peut l'illustrer avec l'histoire de la séparation des activités bancaires. Effectivement, j'ai vu ça d'assez près. C'est amusant cette idée de simplement dire, bon, on va demander aux banques de se scinder en deux, de faire si elles veulent la même chose, mais chacune de leur côté, une qui va prêter à l'économie réelle avec une vraie mission de service public et l'autre qui va être une banque qui se chargera de faire les produits assurantiels ou les produits dérivés dont on parlait. Bon, en tout cas, en faisant en sorte qu'elles ne se contaminent pas l'une l'autre. Cette vision de séparation, c'est ce qu'il y a eu en France entre 45 et en pratique 1995. Hein, ça a été la règle dans notre économie. C'est plus 95, en pratique, on a changé ça, donc on a mis les risques ensemble, et en 10 ans, ça a fait faillite, donc c'est quand même un super modèle. Quand on dit il faut séparer, qui dit ça aujourd'hui? Vous avez à peu près tous les prix Nobel d'économie, hein, de Stiglitz, Maurice Allais le disait, Phelps le dit, qui était l'élève de Friedman, donc de gauche, de droite, Nicolas Bavrez dit qu'il faut séparer, donc en gros, toute l'intelligence économique mondiale dit qu'il faut le faire. Moi, j'ai pas trouvé un prix Nobel qui dit, qu'est-ce que c'est malin de tout mélanger, il n'y en a pas un. Vous avez plein d'anciens patrons de banques dans le monde anglo-saxon qui le disent, des banques universelles disent. Donc on a essayé, mais c'est trop dangereux, faut laisser tomber. Vous avez en France, vous faites un sondage sur les cadres des banques, la moitié des cadres vous disent déjà faut séparer. Vous avez le Financial Times qui vous dit nous la régulation on n'aime pas trop ça, mais là comme faut pas déconner sinon ça va s'écrouler. On a un mode comme ça qui dit voilà il y a pas une voix à part les banquiers en poste aujourd'hui. Qui disent qu'il faut laisser le modèle actuel. Et au final, on voit qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas en Angleterre, on ne le fait pas aux États-Unis, on ne le fait pas en France, on ne le fait pas en Espagne, on ne le fait pas en Italie. C'est quand même une vraie question. Pourquoi
En tout cas, ça montre la puissance de ces réseaux, de ces modes de pensée qui empêchent toute réforme. Et après, il ne s'agit pas de faire des discours sur mon ennemi, c'est la finance. Il s'agit de dire, c'est pas un ennemi, la finance. C'est des gens qui font chacun leur boulot du mieux qu'ils peuvent. Et malheureusement, il n'y a plus de règles générales, il n'y a plus de vision de l'intérêt général. Et donc, quand chacun suit son petit intérêt particulier, ça ne fait pas du tout un bien-être collectif. Ça fait une faillite à long terme. Hein. Hervé, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous parlons d'argent, et que l'argent, c'est comme la langue d'Ésope, c'est la source de tous les biens et de tous les maux. Bon. Si on prend la France, on peut dire que dans l'ensemble, nous avons bien géré nos systèmes bancaires. Nous les avons mieux gérés que le reste de l'Europe, certainement mieux gérés que les États-Unis, et infiniment mieux gérés que le Japon. Donc, acte que nous avons, dans l'ensemble, eu une Banque de France et des banquiers qui ont été prudents. Reste, que doivent-ils faire pour continuer à contribuer à la croissance et de la France et de l'Europe ? Diminuer la finance. Diminuer la finance et réorienter les ressources internes en hommes et en capitaux vers l'industrialisation, le commerce international, l'investissement. Et je pense, en France, que il y a une prise de conscience depuis 5 ans chez les banquiers que c'est ça leur mission principale, ce qui fait que je suis assez optimiste sur l'avenir de l'activité bancaire française et de l'activité bancaire européenne. Très bien. Ceci étant, je suis désolé, je voulais pas rebondir dessus, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout la même vision sur le fait que nos banquiers se sont bien comportés. Il y a qu'à regarder. Société Générale, Affaire Kerviel, ils ont failli sauter une fois en 2008. Contrepartie, AIG, ils ont failli sauter une deuxième fois en 2008. Dexia a fait faillite. Le Crédit Agricole a perdu un bras en allant, on se demande pourquoi, en Grèce. On a 100 000 milliards de produits dérivés en France, dans nos 4 banques systémiques. Voilà, donc, en tout cas, j'ai un désaccord ici sur ce point-là au niveau de la gestion du système bancaire. Relatif. Hein? On n'est pas bon ou mauvais, on est meilleur que les autres. Voilà. Je vais le préciser, si vous voulez. D'accord. Non, Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Et merci encore. Des types comme Cahuzac, il n'y en a pas beaucoup, cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit « je ne mens pas, vous pouvez me croire », etc. Il y avait un truc... Comment peut-on imaginer qu'un politicien va être en mesure de se dire « non, attendez, l'intérêt général, c'est la défense des libertés fondamentales, liberté fondamentale, c'est la défense de la vie privée, et là, il y a un conflit, c'est impossible ». D'appeler les hackers, alors en France, le problème, c'est que le mot « hacker » est diabolisé, on oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une connaissance intime d'un système.